donc bienvenue pour cette dernière consigne de la classe culturelle numérique spéciale éducation aux médias et à l'information. Donc on a vécu des belles aventures ensemble, ça va être notre dernière mission en fait pour cette année. Donc on a découvert un petit peu ce que c'était que les informations, est-ce qu'elles étaient toujours vraies, quel était le métier du journaliste. Et donc il nous reste quand même une étape, hein, c'est vraiment se mettre dans les chaussures d'un journaliste. Vous allez être mes petits journalistes spécial classe numérique pour cette fois-ci. Alors ce que je vous propose en fait, c'est de commencer à réfléchir sur ce que c'est qu'un article de blog. Le blog, en fait, c'est un support de communication, c'est un média un peu plus personnel, mais en fait, je trouve que ça a fait le lien entre les médias traditionnels, comme la presse, la télévision et la radio, et les réseaux sociaux. Et donc, en fait, le blog, il peut y avoir un travail de journaliste qui est fait dessus, il peut y avoir une implication citoyenne également. Donc, l'idée, ça va être de réfléchir un petit peu sur tout ça. Donc, d'abord, on va se poser des questions sur, justement, qu'est-ce que c'est qu'un blog, à quoi ça sert. Ensuite, donc vous allez essayer en fait de comprendre comment on rédige un article de blog, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'il faut avoir une communication efficace, il faut donner envie de lire notre article, etc. Et l'idée donc ça sera de faire un article sur votre école, sur un événement, sur un voyage, sur un invité que vous avez reçu, sur la classe numérique par exemple, sur l'éducation aux médias et à l'information. Vraiment tout ce que vous voulez pour en fait nous faire partager un peu votre quotidien, votre école, nous faire découvrir votre vie, parce qu'en plus comme on est de plein de pays différents, ça pourrait être super intéressant. Donc l'idée c'est que je vais vous donner des fiches guides, comment justement on compose un article de blog, comment on l'écrit, quels sont les petits trucs et astuces pour faire en sorte qu'il soit vraiment intéressant. Et l'idée, ça sera de les publier sur la classe numérique. Et également, en fait, on va faire un petit appel d'offres, n'est-ce pas? Alors, les journalistes, ils proposent des articles. Et puis, en fait, bah, des fois, il y en a qui sont retenus pour être publiés dans différents médias. Et donc là, le blog de la mission laïque française qui organise ces classes numériques nous propose en fait de sélectionner certains articles, de choisir certains articles qui pourraient être publiés donc sur le blog de MLF Mon. Donc j'espère que ça va vous plaire comme nouvelle aventure. Moi je suis impatiente de découvrir vos écoles, de découvrir un petit peu tout ce que vous avez à me montrer. Donc un article, ça peut être des petites vidéos, ça peut être des photos, il va y avoir forcément une partie écrite, descriptive, etc. Mais voilà, soyez créatifs, soyez imaginatifs, surprenez-moi, surprenez-nous, et puis faites-nous découvrir un peu tout ça en accord avec les règles de la déontologie journalistique et les codes de l'écriture journalistique. Mais je pense que voilà, ça peut être un beau, une belle fin de voyage. En tout cas, je vous souhaite bon courage et puis bah, à très bientôt pour d'autres aventures.